vidéo, les amis, aujourd'hui, vidéo sur le Monster Bateau RTR, donc la version RTR du Monster. On peut l'avoir sans radio si on veut, mais nous, on va parler de la version RTR. Donc, un bateau à moins de 300 euros. On a une déco, donc le Monster, une déco un peu Terminator, en fait. Un peu déco Terminator, moi je trouve ça super sympa. Alors pourquoi le Monster il pourrait s'appeler le Terminator? Parce que je trouve que ça fait déco des Terminators. Alors on a une griffe de monstre. On a une griffe de monstre, on a la tête de Terminator entre guillemets. C'est pas vraiment sa vraie tête, mais voilà. Donc c'est un catamaran. Dessus on a équipé gouvernail en alu, le gouvernail, l'hélice, un gouvernail déporté pour la variation de couple. Équipé d'une image des 3S hein, au niveau radio, donc toujours dessus on a un moteur brushless. On va voir comment il est équipé dedans. L'idéal pour la radio c'est toujours de le mettre dans un petit bandeau de gauche, le récepteur, pour qu'il soit bien protégé de l'eau, parce qu'il y aura toujours un peu d'humidité dans le bateau, ça peut arriver. Donc prévoyez toujours. C'est vendu avec, donc le bandeau de gauche vous l'enfilez dedans et après on met le petit collier Serflex pour bien verrouiller, pour éviter que l'eau rentre de trop. Dessus on a donc la radio image des 3S. Pensez pendant l'utilisation, graisser régulièrement l'art d'hélice, la partie transmission, pour pouvoir éviter que l'eau, enfin pour éviter que l'eau rentre par ce passage-là. Dessus, après, vous allez avoir contrôleur waterproof, refroidi par les refroidissements liquides, moteur brushless cage tournante. On a un micro-cerveau pour faire tourner le modèle à droite et à gauche. Donc c'est assez simple de conception, mais ça marche plutôt bien en fait comme bateau. Hein. Alors c'est un bateau qui donnait à plus de 55 km/h. C'est un bateau qui donnait à plus de 55 km/h. Donc avec une belle performance. Moi ce que je vous propose c'est, maintenant on va aller voir en vrai comment il marche. Et on fera un petit point sur le modèle après la navigation. A tout de suite sur l'eau. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Just some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Math. When I hate, I attack.
running. I always take what I'm wanting. I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Nous voilà après la navigation, donc il fonctionne plutôt bien. C'est un produit qui est super stable. Le phénomène d'avoir un catamaran, si on vire vite, ben, il reste stable. Le gros avantage de ce modèle là, c'est qu'on a une largeur, tout ce qui est catamaran est plus large qu'un monocoque. Donc là on est 57 de longueur de coque, 57 cm de longueur de coque. On est à 19 cm, un peu plus de 19 cm de largeur de coque. 19,2 exactement. Et en poids, on fait moins d'un kilo, on fait 910 grammes en ordre de fonctionnement. Donc c'est un produit qui marche plutôt bien. Sachant que la chaise est réglable, donc on peut en plus régler la chaise pour pouvoir avoir, si on veut avoir plus d'assises ou pas. On a pu voir qu'il était super fiable. Les amis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.